Le carême, qui revient chaque année, est ce temps de préparation à la fête de Pâques. On pourrait dire même aux 3 jours de Pâques, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et le jour de Pâques. 40, carême 40. C'est donc un chiffre symbolique fort. 40 jours de Jésus au désert, tenté. Les 40 ans dans le désert du peuple de Dieu quand il sort d'Égypte. Donc le mot 40 est symbolique et veut dire un temps suffisamment long pour être bien préparé à un événement qui arrive. Pour Jésus, toute sa vie publique, 3 années de témoignages, de paroles, de gestes, de miracles. Pour nous aujourd'hui, 40 jours, un temps suffisamment long pour se préparer à cette fête. Et nous pouvons dire que durant ce temps, le carême, ce pourrait être un temps pour chacun. Chacun fait des efforts pour lui. Et ça, c'est très important. Il faut le faire. Chacun voit en quoi il peut se préparer personnellement et améliorer sa vie sur tel ou tel point. Mais ça peut être vécu aussi en famille. Et j'invite beaucoup les familles à le faire. Que le papa, la maman et les enfants prennent un petit peu de temps chaque jour pour dire, il y aura une grande fête à Pâques, on se prépare en ce moment, on va dire une petite prière, quelques mots, on va essayer de faire des efforts et les parents peuvent guider les enfants. Et même, on va peut-être pouvoir partager quelque chose qui est important pour nous, la foi, le sens de la vie, mais aussi matériellement. On va se priver peut-être d'un petit pain et on dira, ben, l'argent, on va le donner pour les personnes qui sont dans l'épreuve, proches de nous, comme on l'a appris ces temps-ci, le terrible tremblement de terre en Turquie-Syrie, et puis la guerre. Donc il y a toujours des personnes à aider proches de nous, au loin, et on peut le faire en famille. Comme chaque année, le diocèse de Metz propose le carême à domicile, avec une thématique qui permet à chacun d'être porté, d'être conduit. Et cette année, c'est la famille qui est mise à l'honneur. Et je trouve que c'est formidable, puisque de nombreuses familles vont pouvoir prendre cet outil et puis entrer dans ce temps du carême. Et je trouve que c'est très beau parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est le lieu où se vivent les choses les plus fortes, et que c'est la famille qu'on veut voir la plus belle possible. Et le carême à domicile en famille permet de se souder davantage. Alors j'invite le papa, la maman, les enfants à pouvoir utiliser ce moyen pour, ensemble, se dire, bien, chaque jour, on fait un petit point pour progresser et nous préparer à cette belle fête de Pâques. On peut le faire même avec un grand frère qui serait une grande sœur, qui serait loin parce qu'il fait ses études ou qu'il est déjà au travail, et dire, eh bien, tous les jours, on prendra 10 minutes, puis ensemble, eh bien, on fera telle et telle proposition et qui est faite. Pourquoi pas les grands-parents aussi, la grand-mère, le grand-père, et puis des voisins, des amis. Vraiment, à partir de la famille qui va pouvoir vivre ce temps du carême, eh bien se dire, elle est toujours une famille qui a vocation à s'élargir. Et lorsque l'on parle de la famille comme on la connaît, le papa, la maman, les enfants, les grands-parents, eh bien, on peut se dire que c'est l'image la plus belle pour dire ce qu'est l'Église. Et j'aime beaucoup cette idée qui nous vient des églises d'Afrique, qui, en réfléchissant, disaient, mais pour nous, quelle est l'image la plus belle pour dire l'Église et la famille? Et la famille, ça veut dire toujours des liens de solidarité, des liens d'écoute, des liens de soutien. Et peut-être qu'à partir de ce carême à domicile, chaque famille va pouvoir se dire, mais je suis dans une très grande famille, quelle Église! Et l'effet le plus fort, c'est lorsqu'on est à l'autre bout du monde, eh bien,
on peut toujours rencontrer quelqu'un de la famille, parce qu'il y a toujours des chrétiens. Alors, j'invite aussi à faire cette expérience de l'ouverture de toutes nos familles à la grande famille qu'est l'Église, et que chaque famille sente qu'elle est déjà la bienvenue dans cette grande famille. Et peut-être que durant ce carême, eh bien, un papa, une maman, un enfant, un jeune adulte, étudiant, et pourquoi pas un grand-père, une grand-mère, diront « mais moi je ne suis pas baptisé, je vais demander ». Je n'ai pas fait ma première communion, je vous ai demandé de faire la première des communions, peut-être la confirmation. Car ces sacrements-là, on les reçoit à tout âge. Et chaque fois qu'un membre de la famille le reçoit, c'est la famille elle-même qui est mise à l'honneur et qui est touchée. Toutes les relations que nous avons au cœur d'une famille. Comme on le voit, ce temps du carême est quand même un temps exceptionnel. Il est un temps qu'il nous faut redécouvrir. Il est un temps où on se retrouve avec soi-même et les autres, et dans une ambiance qui n'est pas d'abord une ambiance qui nous sert, mais qui va provoquer la joie, parce que nous nous tournons davantage vers Dieu, nous nous tournons davantage vers les autres, nous nous tournons davantage vers nous-mêmes pour faire bouger ce qui doit l'être. Alors, à tous ceux qui m'ont entendu, écoutez, je souhaite un beau carême, un beau temps de Pâques, les 3 jours, et puis cette période du temps pascal qui aura jusqu'à la Pentecôte. Et que ça puisse renouveler, fortifier, renforcer la vie familiale.